Bonjour à tous, c'est bienvenue dans cette vidéo de Tom sur Mug et du coup nous allons faire la suite. Alors au bateau, je l'ai terminé le bateau et d'ailleurs j'ai appris que le jetpack permettait de sauter plein de fois donc du coup je peux voler. Voilà. Je m'envole au 7e ciel. Et donc du coup, je vais rien dire. Je vais rien dire, voilà. De toute façon, je suis une moto, hein, littéralement. Je ne peux que m'envoler. Et puis voilà, ils mourront tous. Parce que ceux qui penseront être safe, et ben en fait, ils crèvent. Comme eux. Tout simplement. Donc il y a là-bas le bateau. Fini à 100%. Il y a toutes les gemmes, le corps. J'ai fini la voile. Tout est terminé. Et puis... le bateau, maintenant qu'il est totalement réparé, ils me disent, là, pour ce gouvernail, appuyez sur E pour quitter Muck. Attention. J'appuie sur E. Le coffre vient d'exploser, d'accord. Hein? Pourquoi le monde se recouvre d'eau? Qu'est-ce qui se passe? Comme vous voyez, j'ai toutes les couleurs au niveau du truc, j'ai tout rempli. Bob! Mais il a 2000 HP, c'est quoi ça? C'est quoi ce noob? Il m'a fait perdre 5 HP, c'est quoi ce loser? C'est un loser. Déjà, je peux voler avec lui. Attendez, je vais retourner sur mon bateau. Regardez. Non, je peux monter. Allez. Ok. Attention. J'ai bien fait de prévoir des flèches, hein. Mais regardez-le là! J'ai juste envie de le buter là! Regarde-moi cette chiffre molle! Regarde cette chiffre molle! Il a 2000 HP, je viens de le tuer! Juste parce qu'il est allé sur le bateau, bah je viens de le tuer! Victory! J'ai tué 500 personnes! Je peux faire 54 000 dégâts, je suis mort aucune fois, j'ai été revive aucune fois. Je peux donner... c'est pas 54 000, c'est 543 714. J'ai pris 110 dégâts, je suis au jour 0, c'est pas normal. J'ai 319 power-up. Ah ouais, j'ai 266 coffres. J'ai collecté 6241 pièces d'or. Bon, bah j'espère que vous aurez apprécié ce jeu. Bon, bah, c'était une incroyable aventure sur Muck. Voilà. Et juste pour voir, ça fait quoi, gamer?
suis tellement lent comparé à tout à l'heure. Et du coup, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'étais full stuff Chunkinium. Mais il y a quoi qui a changé en fait? On va bouger, on va aller à un endroit un peu plus tranquille. Celui-là, c'est le début relou, mais voilà. Après, quand je vais avoir mon staff en bois, on va aller voir Guardian. Je vais forcément crever, mais c'est plus juste pour voir. La pioche. Alors, dans cette difficulté, je crois qu'il faut obligatoirement un abri. Sinon, c'est foutu. Tu meurs. C'est long. J'ai créé une maison, j'ai un peu galéré, mais je l'ai créée. Alors là, je vais miner cette roche, un arbre, et puis après, je vais retourner à l'abri. Et puis après, je me bloque en fait, parce que sinon, je vais crever. Mais comment je fais pour monter? Oh là là! Attends, parce que je dois avoir au moins 10 de bois. Bah en fait je vais mourir parce que j'aurai pas le temps de me mettre dans l'abri. J'ai même pas tout le bois qu'il faut. J'ai eu peur. Ah, c'est ça, du coup, la difficulté gamer. Ah ouais, c'est ça. Par contre, je peux pas respawn, je sais pas si c'est normal. Parce que c'est dit que tu pouvais respawn. Mais tu peux pas respawn. C'est quoi Join Lobby? Là, je vais mettre Game. Oui, bah bien sûr que c'est pas valide. Bon, bah c'était une très cool. C'était une très belle série. Sur Muck. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié. Alors, je vais voir ça. C'est quoi ça? Ah. Et genre, ça fait quoi un gamer ça? Tiens, je vais mettre une site complètement aléatoire. Donc, 1 101 258. Ça fait quoi?
Mais attends, mais à midi, il fait nuit, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut tuer? Alors c'est mort, on va jamais réussir, hein. Est-ce qu'on peut réussir à tuer Big Chunk avec un rocher? C'était Max. Salut tout le monde, c'était Tom. À plus.